Nous sommes dans une grande attente et savons que Dieu ne peut pas décevoir et ne décevra pas. Tous ceux qui vinrent à lui, il les a secourus tous. Aux pécheurs, il a pardonné les péchés, ceux qui étaient lépreux, il les a guéris, ceux qui étaient aveugles, il leur a fait retrouver la vue. Personne a quitté le Seigneur tel qu'il était venu, mais le mystère, c'est que chacun doit personnellement venir à lui. Chacun doit personnellement l'invoquer et lui exprimer ses requêtes. Très rapidement, les salutations, particulièrement du groupe de la Géorgie, que Dieu puisse bénir notre frère Mamouka, très particulièrement. Et nous avons des salutations de Kabatsa et des anciens de l'église, particulièrement de Goma. Nous avons ce soir un frère de Goma ici, que Dieu puisse le bénir. Ensuite, encore des salutations de Kapstadt, que Dieu puisse bénir richement nos frères et sœurs là-bas. Des salutations de la République du Congo, que Dieu puisse aussi bénir là-bas. Parfois le nom n'est pas inscrit sur le mail. Des salutations de Cabinda, de l'Angola. Des salutations de notre frère et sœur Manuel Talimba de l'Australie. Des salutations du frère, ou ça c'est en russe, le frère Schmidt, regarde s'il te plaît. Nous avons des salutations du frère Motiga de Johannesburg, des salutations de Mananka, des salutations du frère Abel, des salutations du frère docteur Jojava, des salutations de tous de la Finlande, de Ovetis et de tous les frères et les sœurs, et de tous les frères. Des salutations de Douala, Cameroun, des salutations de l'église de Kishinev, la Moldavie, des salutations du frère Nyagi de Nairobi, des salutations du Rwanda, des salutations de Florine, la Roumanie, des salutations de Gialando, Palermo, des salutations du frère Fanel de la Roumanie, des salutations du frère Fonda de l'Afrique, des salutations du frère Anthony de la Finlande, des salutations de Grenoble, des salutations de Moses Yann de Denver, Colorado, des salutations de Kinshasa, des salutations de Auckland, la Nouvelle-Zélande, frère et sœur Anderson, et des salutations du frère Bruce Kapstadt de l'université, et des salutations de Bangalore Land, des salutations de Robert, oui, la Zambie, Robert de la Zambie, et oui, ensuite, nous avons le frère Matuzen de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, et le frère Ilunga d'Aboda, USA, et ensuite du Brésil, du Congo, de la République du Congo, et encore une fois, du frère Chuma de Nigeria, et du frère Mashi de l'Inde, et du frère Norman. Et oui, nous avons presque fini. Des salutations, oui, de la région des montagnes, du frère Babou, des salutations d'Adonis,
des salutations de Michael, des salutations de Lumpendo, des salutations d'Exlolani et des salutations de Katundu et des salutations du frère Chauffeur et des salutations du frère Joseph. Ensuite, nous avons ici chaque salutation de Tartaristan. Le frère Alexandre salue tous fraternellement. Et ensuite encore du frère Dortombié et de Mwamba de Kolwezi, de Jürgen de la Amérique du Sud, le frère Jürgen de l'Argentine et le frère Jaren de l'Autriche, le frère Jacques de la Côte d'Ivoire, le frère Wendel Ellis de Edmonton, le frère Baumgartner de la Suisse, le frère Müller du lac de l'Est, le frère Gonga de l'Afrique, le frère Cécile de Pretoria, le frère Salomon de l'Irlande et le frère le frère Jean-Claude. Oui, tous vous connaissez le frère qui est toujours ici, est venu devant et a chanté Maranatha. Il a eu un AVC très, très, très grave. Il est encore à l'hôpital. Mais aujourd'hui, nous avons pu parler ensemble un peu. Et il salue tous très, très fraternellement. Ensuite, le frère Joseph de Kinshasa et le frère Mwemba de Melbourne, de l'Australie. Que Dieu le Seigneur puisse bénir tous nos frères et toutes nos sœurs dans tous les peuples, les langues et les nations. Nous avons sûrement compris que nous sommes arrivés dans un temps très particulier et que le retour de notre Seigneur, comme il est écrit, est vraiment devant la porte. Comme notre Seigneur lui-même l'a dit, quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes parce que vous savez que votre rédemption est proche. Vraiment, seulement rapidement, nous avons ici, en cet endroit, pas de temps pour la politique, pas de temps pour la religion. Ici, tout le dessein du salut de Dieu, tout le conseil du salut de Dieu est prêché comme dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, car ce plan-là, ce dessein-là, qu'il a conçu d'éternité en éternité déjà, et dans le déroulement du temps, il l'a exécuté. Et c'est ainsi que nous sommes à la fin, arrivés à la fin des temps, et nous savons que tout doit s'accomplir. Mais il y a deux, trois choses qui sont nécessaires qu'on les mentionne. On peut aujourd'hui de l'Internet ressortir toutes ces choses et les lire. Tous les chemins mènent à Rome. C'est ce qu'ils disent. Et ensuite, ils décrivent maintenant ce qui est important de savoir. Il faut qu'il y ait la réconciliation et que l'union ait lieu et que toutes les blessures qui ont été commises doivent être guéries. Et ensuite, la visite du pape reçue avec toute l'honneur en Suède. Nous l'avons tous suivi ou bien appris. Et ici, comme parole d'introduction, le verset biblique a été lu de Jean 15, verset 4. Dann bleibe ich in euch wie die Rebe aus sich keine Frucht. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez pas porter de fruit. Jean 15, verset 4. Imaginez-vous, c'était la parole d'introduction
que le pape, lors de cette grande rencontre dans la cathédrale au sud-nord de la Suède, à Lund, a lu. Tous doivent revenir, tous doivent être inclus et trouver de la place, et seulement en relation avec Rome, il dit en fait qu'on peut porter du fruit seulement si on a une relation avec Rome. Non, vous voyez que tout est très proche. L'union est en train de se matérialiser dans la politique, dans la religion, et celui qui regarde dans l'Internet peut vraiment exactement voir tout qui est montré en photo. Je ne veux même pas venir à parler de cela, mais il y a une chose qui doit être dit, que du 31 octobre de cette année jusqu'au 31 octobre de l'année prochaine, il faut que tout ce qui avait eu lieu, avait à voir affaire avec la réformation, soit aboli et que la pleine réunification, union soit rétablie. C'est ce qu'ils disent. Et c'est justement dans ce temps-là où ils veulent annuler la réformation que le Seigneur a révélé son dessein de salut et appelle son peuple de toutes les églises, de toutes les églises libres et les communautés, de toutes les religions et les confessions, de toutes les langues, de tous les peuples. Dieu, le Seigneur, maintenant appelle son peuple à sortir et il dit, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur, séparez-vous. La deuxième chose est aussi quelque chose de très, très important. Imaginez-vous le 2 novembre 1917, Balfour, le premier ministre de l'époque en Grande-Bretagne, avait fait cette déclaration que les Juifs ont droit ont le droit d'avoir un propre État dans leur propre pays. Et Mr. Abbas, maintenant, a accusé que la Grande-Bretagne doit annuler cette déclaration de 1917 et doit s'excuser publiquement pour ce qui a été proclamé en 1917. Et tous savent que depuis la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne avait reçu le mandat pour toute la région, pour toute la Palestine, oui, pour toute la Transjordanie et pour toute la région. Mais Dieu a conduit les choses ainsi que justement dans cette déclaration de 1917 soit faite et qu'elle permette aux Juifs d'avoir leur État. Et c'est ainsi qu'en 1946 ou bien 48, l'État par Ben Gurion d'Israël a été déclaré. Et ça aussi, c'était l'accomplissement des Écritures. Et maintenant, ils accusent pour que cela soit annulé. Non. Ici, nous voyons Abbas et ensuite, il y a Netanyahou aussi qui prend la parole. Il y a Netanyahou qui prend la parole, bien sûr, tout de suite. Et qui dit, non, ça, c'est notre pays que Dieu lui-même nous a donné. Cela nous appartient. Et nous n'allons jamais le redonner. Ensuite, la chose la plus grave encore, c'est que l'UNESCO a conçu un nouveau décret que les Juifs n'ont aucun droit sur la montagne de l'Éternel, ou bien sur la montagne, bien sûr, Jérusalem. Imaginez-vous, l'UNESCO, une institution mondiale connue, qui prend des décisions sur des régions ou bien que cela demeure sur la protection naturelle, etc. Et ensuite, ils renient que Israël, et ils disent que Israël n'a pas le droit de prétendre être le propriétaire de ce pays d'Israël et de la montagne, de la maison de l'Éternel, aussi la montagne de Moria. Je me suis ici noté les versets bibliques. Abraham déjà devait, selon Genèse chapitre 22,
offrir Isaac, son fils de la promesse. Il devait le prendre et le sacrifier et aller justement dans la montagne jusqu'à qu'il arrive sur la montagne de Moria. Moria signifie dans notre langue le Seigneur voit, le Seigneur regarde, le Seigneur regarde, le Seigneur voit. Et ensuite, là où Abraham a sacrifié Isaac, c'est là que Dieu a déterminé l'endroit pour que le temple soit construit. Et dans 1 Chronique 21, alors que le Yébosite Ornan était en train de cultiver sur l'air, l'ange de l'Éternel est descendu et David a ensuite acheté tout le bâtiment pour 600 shekels d'or. L'emplacement du temple a été acheté et ça a été payé. Et cet endroit appartient au peuple d'Israël. Et quand nous regardons toute la prophétie biblique, dans 1 Chronique chapitre 22, verset 1, ceci est l'endroit. Ici doit se tenir la maison de Dieu. Dieu lui-même a voulu les choses ainsi, a conduit les choses ainsi. Et maintenant, il y a le premier temple, 17 ans après Christ qui a été détruit, et pendant 70 ans après Christ qui a été détruit. Et ensuite, le deuxième temple a été détruit. Et dans le prophète Jérémie, il a été prédit qu'après 70 ans, ils vont de nouveau revenir et la promesse va donc s'accomplir. Dans le dernier chapitre de 2 Chroniques, il est décrit que les Juifs, tous ceux qui appartiennent au peuple d'Israël, devaient revenir à Jérusalem. Et ensuite, il est dit, comment est-ce qu'ils ont retrouver le fondement antique, le fondement antique. Ils ont retrouvé le fondement. Et comment est-ce que le deuxième temple a été construit? Parce que Dieu l'avait promis et l'avait conduit ainsi. Oui, et ainsi le deuxième temple a été aussi détruit. Et le troisième temple va aussi être construit sur le même fondement, à la même place. Et dans Apocalypse, au chapitre 11, ensuite, le nouveau temple construit sera mesuré. Et c'est ainsi que cela aura lieu pendant le temps des deux prophètes. Il sera bâti et sera mesuré. Et ensuite, les 3 ans et demi de tribulation, de grande tribulation viendront. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a un dessein de salut. Et ça aussi, je me suis noté cela. David, 848 fois est mentionné dans la Bible. Et Jésus-Christ est le fils de David, selon la chair. Et Abraham, combien de fois? 205 fois. Est mentionné dans la Bible 205 fois. Dieu a lui-même fait en sorte que tout ce qui appartenait au passé, au présent et au futur soit déjà écrit, prédit dans la Bible. Je le répète, tout ce qui s'était passé et tout ce qui est présent et tout ce qui va encore se passer, Dieu a fait en sorte que en avance, cela a été écrit ou bien écrit après les événements. Dieu connaissait la fin avant le commencement. Et si nous pensons justement à ce que Dieu nous a accordé la grâce, justement maintenant, de vivre sur terre dans cette époque, je voudrais aujourd'hui particulièrement à tous ceux qui sont ici pour la première fois, leur souhaiter la bienvenue. Les bienvenus peut-être aussi tous ceux qui écoutent pour la première fois, ils sont connectés. Est-ce que vous voudriez vous lever, vous qui êtes ici présents? Je crois qu'il y en avait 5 de l'Iran qui sont venus. Où êtes-vous? Levez-vous s'il vous plaît. Les 5 personnes qui sont là de l'Iran. Oui. Oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui. Voilà, tous ceux de l'Iran, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, amen, amen. Voilà, en haut aussi. Asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que Dieu conduit les choses ainsi.
et que ici nous pouvons venir nous rassembler et nous approfondir ensemble dans la parole. Je vous dis encore une fois, dans la Bible est écrit tout ce qui était, tout ce qui est et tout ce qui sera jusqu'aux nouveaux cieux et la nouvelle terre. Tout est écrit déjà à l'avance. Tout ce qui va encore se passer est écrit déjà ici dans la Bible. Ce qui est plus important pour nous encore, c'est bien sûr ce que Dieu a promis pour l'Église. À quoi est-ce que ça nous servirait de savoir ce qui va se passer avec Israël, ce qui se passe avec les nations, même si nous savons exactement et pensons à Damas. Dans Ésaïe 17, au verset 1, il est écrit, « Damas sera détruit. » Et n'appartiendra plus aux villes, sera une ruine. Ensuite, il est dit que les peuples vont mugir comme une mer. Quand on voit tout ce qui se passe et tout ce qui est écrit, même que le roi du Nord, Ézéchiel 38, et le russe est en train d'être mis en colère, jusqu'à ce qu'il craque et perd les nerfs, et ensuite que l'une ou l'autre soit encore réglée. Ça aussi, ça a été même décrit dans Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, le roi du Nord. Regardez sur la carte mondiale, le plus grand et le plus long pays du monde est la Russie. Que vous regardez de Saint-Pétersbourg jusqu'à Vladivostok, il y a 11 000 kilomètres. Et regardez au nord de l'Iran, au nord d'Israël, et toujours au nord. Regardez toujours au nord. Et vous pouvez ensuite aller regarder au Japon ou bien au Corée quand on est arrivé à Vladivostok. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Aussi de manière politique et religieuse, tout est en train de s'accomplir et tout est en train d'arriver à ses points culminants. Et nous sommes encore une fois reconnaissants à Dieu de ce que nous avons la grâce d'observer ces choses au travers des prophéties et des prédictions bibliques et de savoir que, à l'horloge du monde, les choses sont en train de s'avancer et de s'accomplir devant nos yeux. En ce qui nous concerne, frères et sœurs, c'est ainsi qu'il s'agit d'un seul sujet, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ et en face de cet événement, notre préparation pour le jour glorieux de ce retour, quand les trompettes retentiront et que la voix de l'archange se fera entendre et que le Seigneur lui-même descendra. Ça, c'est la chose merveilleuse. Il est lui-même venu pour nous racheter et lui-même reviendra pour nous prendre auprès de lui. Et quand il reviendra, alors nous irons avec lui, nous serons enlevés dans la gloire avec lui, enlevés dans la gloire. Et il faut que dans chaque réunion, cela soit dit. Notre bien-aimé frère Helmut Miskis a donné un cours compte rendu missionnaire, particulièrement de la Mozambique. Mais si on voulait donner tout l'exposé de ce voyage, 13 fois j'ai décollé et 13 fois j'ai atterri, 13 fois décollé et atterri pour prêcher la précieuse parole de Dieu. Que ce soit à Pretoria, que ce soit à Kapstadt, que ce soit à la Porte Elisabeth, que ce soit à Hicks, England, que ce soit à Durban, et ensuite à Johannesburg. Partout, la précieuse parole a été prêchée. Et ensuite, à Harare, au Zimbabwe. Et quand ensuite nous pensons à ce que aussi là-bas il y a des personnes qui sont venues de loin et de près se rassembler de loin pour écouter la parole du Seigneur. Pardon. Et aussi comme le frère Miskis l'a dit au Mozambique dans la dernière réunion, plus de 1000 personnes et sous des circonstances vraiment
très pauvre. On ne peut même pas s'imaginer ça ici. Et même, il n'y a même pas de rue là-bas. Je veux dire des rues goudronnées, il n'y en a pas. C'est une catastrophe. Mais les gens sont venus. La faim est dans les cœurs à écouter la parole de Dieu. Et tous les peuples ont le droit d'écouter le dernier message et de se préparer. D'abord l'appel à sortir et ensuite la préparation par la grâce de Dieu. Et cela a sa place ici, que nous puissions croire, comme le disent les Écritures. Nous ne venons pas nous rassembler pour jouer à quelque chose. Nous ne venons pas ici pour jouer du charismatique. Nous ne venons pas ici parce que, bon, c'est l'habitude d'avoir part à une réunion. Non, nous venons parce que nous avons une faim d'écouter les paroles de Dieu. Et ce que Dieu a déterminé pour notre temps, à le recevoir et l'accepter. Peut-être encore cela serait précieux qu'on le mentionne. En ce moment, le frère Michael est déjà au Pakistan pour préparer les grandes réunions au stade avec 10 000 personnes. Les préparations sont faites en ce moment. En chemin là-bas, il a fait un escale à Dubaï. Et là-bas où déjà nous avions prêché la parole, il a pu tenir une réunion. Et le frère Noble Gill est aujourd'hui ici avec lequel Dieu au Pakistan a pu faire un commencement. Partout, Dieu a eu ses serviteurs et les a encore aujourd'hui d'une manière que tous ceux qui appartiennent à la vie éternelle, pouvaient ou bien peuvent prendre leur décision pour le Seigneur. Et tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse de Jésus-Christ, prêteront l'oreille à la voix de l'époux. Et nous devons, dans chaque réunion, le dire encore une fois, il y a la promesse principale qui, avant le retour de Jésus-Christ, doit s'accomplir parce que Dieu l'a prédit ainsi. Voici, je vous envoie, ou bien promis ainsi, le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Jean le Baptiste vint avant le jour de la grâce, avant le jour du salut. Et 2000 années sont passées et le jour du Seigneur n'est pas encore venu. Donc, directement au commencement du jour du salut, à la fin du temps de la grâce, à la fin du temps du salut, Dieu a promis d'envoyer un prophète du format d'Élie qui, comme autrefois, aujourd'hui encore, rassemble le peuple de Dieu, appelle le peuple de Dieu à se rassembler selon la parole du psaume. Rassemble-moi, mon peuple. Rassemble-moi, mon peuple. Ça, c'est l'ordre de l'heure. Le peuple de Dieu doit être rassemblé et sortir de tous les peuples, les langues et les nations. Rassembler le peuple de Dieu, de tous les peuples, les langues et les nations, pour qu'ils puissent écouter la parole promise de l'heure. Et ça aussi, cela a été lu. D'Éphésiens chapitre 1, verset 13. Après que nous ayons entendu la parole de la vérité, Malachi appartient à la parole de la vérité, bien les frères et sœurs. Ça appartient à la parole de la vérité. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, cette promesse. Et si nous ne pouvons pas accepter et croire à cette promesse, alors quoi? Comment est-ce que Dieu pourra nous sceller? Mais si nous regardons dans Matthieu 17, verset 11, et que nous n'acceptons pas cela, ce sont des paroles de Dieu. Mais si nous ne l'acceptons pas, donc quoi? Si nous ne croyons pas à son accomplissement, alors il n'y aura pas de scellement. C'est impossible que Dieu nous scelle si nous ne croyons pas à l'accomplissement de ses promesses. Les promesses de Dieu pour ce temps doivent être crues de nous.
pas pourraient ou bien devraient, mais doivent. C'est une obligation. Nous devons reconnaître l'accomplissement des promesses. S'il vous plaît, acceptez aussi ces versets bibliques au sérieux. Ne dites pas, oh comme ça à la surface, oh oui, c'est vrai. Non, non, c'est seulement si vraiment, dans notre cœur, nous croyons à l'accomplissement et la signification de ce ministère et avons compris que cette promesse, oui, de cela dépend notre salut. Pas seulement de croire en Jésus-Christ, en lui beaucoup croient, mais méprisent ce que Dieu a promis et ce qui est même sorti de la bouche du Seigneur. Non, donc il ne s'agit pas de mépriser une promesse et son accomplissement, mais de dire, Seigneur, demeure avec nous, car le jour est en déclin. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce, n'est-ce pas, de ne pas seulement lire toutes ces paroles des Écritures et d'adorer, mais de les recevoir dans notre cœur et qu'elles nous soient révélées et de pouvoir dire, Seigneur, je me retrouve moi-même ici dans la Bible. Je crois ta parole, je crois tes promesses. Et l'esprit de la promesse est lié à la parole de la promesse. C'est pas possible autrement. Notre Rédempteur était un sauveur promis. Oui, oui, les promesses dans tout l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste était un prophète promis. C'est ainsi que c'était écrit dans la Bible, Ésaïe 40, verset 3, et dans Malachie, chapitre 3, verset 1. C'était écrit dans la Bible. Et c'est écrit dans la parole de la vérité. Et de la même manière, c'est encore maintenant la promesse pour notre temps. Elle est écrite aussi dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour que personne puisse comme ça dévier à droite et à gauche. Mais il doit se soumettre à la parole de la promesse et se demander est-ce qu'il est en accord avec cela de tout son cœur. C'est seulement après cela que Dieu peut nous sceller de l'esprit de la promesse. Bien-aimés frères et sœurs, ça, Dieu ne pourra pas sceller et prendre auprès de lui dans la gloire des interprétations, des discussions et du désordre et de la confusion. Ça, nous le savons tous. L'ordre de Dieu doit d'abord, ici sur cette terre, être rétabli dans l'Église. Et comme dans Éphésiens 2, au verset 20, il est écrit, fondé. Bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pour cette raison qu'il faut qu'on dise que la vraie Église de Jésus-Christ, elle ne retourne pas à Rome, elle ne retourne pas à ce qui a été décidé au concile de Nicée en 320 ou bien au concile de 328 ou bien à la concile de 421 et ensuite 431. Non, l'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation chrétienne. Elle est le corps du Seigneur, l'Église des premiers-nés. Et elle retourne à Jérusalem, à l'enseignement qui est sorti. Car c'est de Jérusalem que la parole du Seigneur est sortie et a été prêchée dans le monde entier. Et c'est pour cette raison que Dieu devait envoyer un ministère prophétique dans notre temps pour, justement, comme autrefois, Élie a dû rassembler le peuple et ramener le peuple à Dieu et rebâtir l'autel. Et les Israélites devaient prendre leur décision après que tout soit été fait selon la parole du Seigneur. C'est comme ça encore maintenant dans notre temps. L'enseignement des 12 apôtres a été rétabli sur le fondement. Et Paul écrit que personne d'autre peut poser un autre fondement en dehors de celui qui a déjà été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il ne s'agit pas de retourner à un quelconque concile et ses décrets et leurs dogmes et leurs décisions, et ce qui a été enseigné là-bas et après repris de tous. Et ça, il faut qu'on le dise aussi clairement.
Aucun de ces grandes églises retourne à Jérusalem. Tous sont dans le déroulement de ces âges. Tous ont existé dans le déroulement de ces âges. Aucune d'elles retourne à Jérusalem. Et maintenant, le Seigneur nous appelle à sortir de tous ces groupes. Vous savez qu'il y avait eu des réveils et des réveils dans les différents des âges. Et ceux qui sont restés au premier réveil sont encore là où ils étaient autrefois. Mais les élus ont suivi la liaison dans le prochain réveil. Ils ne se sont pas arrêtés. Il y a eu un réveil, méthodiste, baptiste, mennonite. Les élus ne se sont pas arrêtés. Ça n'a pas d'importance quel réveil a commencé. Les élus ne se sont pas arrêtés à un réveil. Ils ont suivi, ils ont reçu la liaison à l'autre réveil. Et jusqu'au réveil pentecôtiste qui a duré plus, qui est maintenant âgé d'un siècle. Et maintenant, nous revenons à cette réalité que Dieu le Seigneur, après la Deuxième Guerre mondiale, a appelé les frères Branham, a appelé frère Branham et l'a envoyé déjà en 1933. C'était une année vraiment d'événements en 1933. Mais justement, de la même manière, Dieu a lui-même fait en sorte qu'il accomplisse sa parole et que frère Branham, de cette nuée surnaturelle-là, cette parole lui soit adressée et qu'il reçoive ce mandat tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que, avec un message, tu seras envoyé, avant le retour de Christ. Avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et mes frères et sœurs, encore aujourd'hui, j'ai dû l'entendre dans le bureau, qu'il y a des frères dans différents pays qui posent la question, pour qui est-ce que vous vous êtes décidé? Pour frère Branham ou bien pour frère Frank? Pour qui est-ce que vous vous êtes décidé? Est-ce que vous vous êtes décidé pour Malachi ou bien pour Matthieu 24? Verset 45, verset 47. Imaginez-vous, des frères dans des pays, regardez comment est-ce que les hommes peuvent être frappés d'aveuglement, de poser de telles questions au peuple de Dieu. Nous sommes décidés pour Dieu. Nous sommes décidés pour sa parole. Et nous sommes revenus à Dieu, pas à un homme, et à la parole de Dieu. Et ça, c'est la différence. C'est vraiment la différence, la grande différence. Combien de fois j'ai dû le dire ici, il faut que cela nous réussisse par la prédication à rétablir la relation entre Dieu et la congrégation. Mais si les gens étaient un peu sincères et réfléchissaient et pensent que frère Branham lui-même vraiment a fait que recevoir l'ordre d'emmagasiner la nourriture. Et ça aussi, je l'ai dit ici plusieurs fois. Et la nourriture que frère Branham a emmagasinée était dans des étagères. Oui, vous savez ce que c'est. Comment on appelle ça? Oui, avec les paniers de linge, les paniers de linge, plein de différents aliments. Il est venu et il les a placés sur des étagères, comme on les trouve comme ça dans des supermarchés. Mais cet emmagasinement-là n'était pas la nourriture qu'on reçoit sur la table. Ensuite, frère Branham a dit, il a reçu cet ordre qu'il doit emmagasiner la nourriture. Mais jamais il lui a été donné l'ordre de la distribuer. Cela ne lui a pas été dit. Mais à moi, le 3 décembre 1962, frère Branham, à la présence de frère Sossman Benbus, il m'a été dit, attends, avec la distribution de la nourriture, jusqu'à ce que tu en reçoives le reste. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Dieu ne s'est pas couché pour dormir depuis que frère Branham a été repris à la maison. Mais la parole de l'heure, contenant toutes les promesses de l'heure, ont été prêchées.
Et tous ceux qui sont de Dieu, maintenant, écouteront ce message. Et je le répète encore une fois, celui qui se décide pour Dieu, qui sait décider pour Dieu, il va trouver la place du ministère de Frère Branham. Il va trouver la place de chaque ministère et il saura que tout doit s'accomplir ainsi. Et en fait, nous n'avons pas besoin d'un huitième messager. Qu'est-ce que Josué a fait. Il a dû aussi prendre la nourriture avec lui pendant le voyage, pour le voyage. Mais la chose la plus importante était l'arche de l'Alliance. Josué n'avait pas besoin de dire quelque chose sur Moïse. Il avait seulement besoin de porter sur l'épaule des sacrificateurs la parole qui avait été donnée à Moïse. Et il lui avait été dit, chaque place que ton pied foule, je te le donne. Entre en possession du pays. C'était la promesse du temps de Josué. Et bien, mes frères et sœurs, c'est exactement la même chose dans notre temps. Dieu a utilisé Frère Branham pour donner tout ce qui était nécessaire à l'Église. Et maintenant, dans le monde entier, de manière harmonieuse, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, cela est prêché. Nous avons vraiment une harmonie merveilleuse et nous pouvons toujours de nouveau remercier le Seigneur nouvellement. Revenons une fois à ce sujet, le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, cela me touche beaucoup le cœur, beaucoup. Je veux, avec tous ceux qui maintenant écoutent le message divin et par conviction, par révélation, le croient, qu'ils soient prêts quand le Seigneur reviendra et qu'ils ne soient plus trompés, comme Frère Branham toujours de nouveau, comme Frère Branham toujours de nouveau l'a dit. Que Ève a été séduite. Pourquoi ? Parce qu'elle a prêté l'oreille à ce que le serpent a dit et remis en question. S'il vous plaît, ne prêtez, ne remettez aucune portion de la parole de Dieu en question. Croyez chaque parole telle qu'elle est écrite, car c'est la pure vérité et celui qui est né de la vérité, il écoute la parole de Dieu. Et autrefois, notre Seigneur a pu dire, vous ne l'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de la vérité. Revenons encore à Matthieu 25 particulièrement. 5 vierges. J'écris maintenant là-dessus dans une lettre circulaire. Bien-aimés frères et sœurs, ne prêtez aucune oreille à une interprétation. Restez dans les Écritures et n'acceptez aucune explication. Et avec tout ce qui est écrit, et s'il y a des frères qui viennent, eux qui vous prêchent sur les 7 tonnerres, et ceci et cela, cela n'est pas écrit dans les Écritures, n'est pas écrit dans la Bible. Qui peut croire quelque chose qui n'est pas écrit, s'il vous plaît? S'il nous a été ordonné de croire et de lire justement ce qui est écrit dans la parole de la prophétie, de ce livre, ça même écrit, dans Apocalypse, de ce livre. Donc, avec tout le respect devant le Dieu Tout-Puissant, nous demeurons dans toute l'humilité et la fidélité. Nous recevons sa parole et nous prendrons ensuite part ainsi à l'accomplissement de tout ce que le Seigneur a promis. Dans Matthieu 24, nous avons, n'est-ce pas, ce verset qui souvent a été mentionné, c'est-à-dire que l'évangile du royaume de Dieu, donc pas seulement évangile, comme cela est prêché encore aujourd'hui, mais tout ce qui concerne le royaume de Dieu et ce qui se passe dans le royaume de Dieu, tout ce que Dieu a déterminé pour nous, il faut que cela soit dans l'évangile qu'on prêche.
Et aussi particulièrement pour ceux qui sont nouvellement parmi nous. Par exemple, ce qui est écrit dans Luc 24. Ici, nous avons une partie de l'ordre missionnaire. Luc 24. Ici, nous lisons à partir du verset 47. Et cette parole est adressée particulièrement à tous ceux qui n'ont pas encore fait une expérience du salut avec Dieu, qui vraiment ne sont pas encore devenus croyants par une repentance, un regret de leur vie menée sans Dieu. Et ont demandé que Dieu leur pardonne. Mes frères et sœurs, c'est important que ce ne soit pas seulement qu'on dise « Oui, je crois en Jésus-Christ. » Mais, comme ici, il est écrit dans Luc 24, au verset 47, et que la repentance en vue de la rémission des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations. En commençant par Jérusalem. Quand l'Esprit, si l'Esprit de Dieu ne peut pas venir sur nous pour nous convaincre des péchés qu'on a commis, pour nous convaincre et que nous puissions, et qu'il puisse, s'il ne peut pas nous repentir, c'est l'Esprit de Dieu qui nous produit la repentance. Si nous ne pouvons pas lui dire, crier à lui, « Oh, aie pitié de moi, pauvre pécheur !» Personne ne peut dans le royaume de Dieu entrer avec le nez élevé, car le chemin est étroit, la porte est étroite qui mène à la vie, et seulement très peu sont ceux qui le trouvent et qui y rentrent. Je pense encore à ma repentance, à ma conversion. Tout était mouillé. J'étais en sueur, mouillé comme si j'avais pris un bain. Jusqu'à que je sois entré, jusqu'à que j'ai reçu la certitude et que mon cœur a été rempli de la certitude de Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tes fautes sont pardonnées. Et ensuite, la louange suit après avoir cherché la face de Dieu, après la repentance. Après, nous entrons dans la plénitude du salut et suit la louange que nous pouvons apporter à Dieu étant libérés, comme il est écrit ici, et que la repentance en vue de la rémission des péchés serait prêchée. Sans cette prédication, il n'y a pas de pardon. Il faut que la repentance soit prêchée. Jean le Baptiste vint et a prêché la repentance et ensuite, il a baptisé tous ceux qui avaient cru ce qu'il avait prêché. Encore une fois. Que la repentance en vue de la rémission des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Ensuite, le verset 48. C'est vous qui êtes témoins de ces choses. C'est vous qui êtes mes témoins. Et ensuite, au verset 49, et voici, moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais demeurez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Verset 50. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et vous, eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils sont restés là et ils étaient continuellement au verset 53 dans le temple louant et bénissant Dieu. Mais ensuite a suivi ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire d'être revêtu de la puissance d'en haut. Et bien aimés frères et sœurs, nous avons besoin de cette puissance d'en haut.
pour que nous puissions aussi prêcher l'évangile de Jésus-Christ d'une manière que des hommes, par l'Esprit de Dieu, soient conduits à la repentance. C'est ainsi qu'au nom du Seigneur, je veux prêcher l'évangile. Que ce ne soit pas comme ça, c'est moi qui l'entende de leurs oreilles, mais que par l'Esprit de Dieu, cela soit introduit dans leur cœur et que le miroir de la parole soit présenté devant leur vie et qu'ils puissent crier à Dieu et dire « Fais-moi grâce, pardonne-moi toutes mes fautes et mes péchés. » Et ensuite, ce qui est merveilleux, bien frères et sœurs, c'est la première prédication de Pierre. Et ça, on doit toujours le dire. La dernière prédication doit être telle que la première a été. Le dernier baptême d'eau doit être tel que le premier a été. Ça, c'est une obligation divine. Ce n'est pas toi et moi qui le décide. Ça, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Que tout doit être ramené dans l'état primitif, tel que l'Église au commencement était. Et ici aussi, nous avons un examen. Vous savez, quand on entend de ceux qui viennent dans notre pays, et on voit une photo, comment un prêtre trempe sa main dans un liquide, et ensuite trois fois, il touche le front, et ensuite il est dit, celui-ci ou bien celle-là s'est laissé baptiser. Mais ça, ce n'est pas un baptême biblique. Le baptême biblique veut dire baptisémo, baptisémo. Ça veut dire immerger. Oui, Jean n'a pas trempé la main dans l'eau du Jourdain et ensuite touché un front. Mais il a baptisé, il a immergé, car c'est ainsi que c'est écrit. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il baptise sur le front. Ça, c'est un baptême de tête. Ce n'est même pas un baptême. C'est mouiller le front, c'est tout. Vous pouvez oublier ça. Remercions Dieu de ce qu'il nous a ramené aussi concernant ces choses en ce qui concerne la formule. Par exemple, si les gens utilisent une formule pour baptiser, bien frères et sœurs, ça aussi c'est la grâce de Dieu de comprendre cela. Nous ne jugeons pas les autres, pas du tout. Mais notre droit divin consiste à ce que nous soyons revenus, nous avons été ramenés au fondement original, au commencement, à la foi des pères, des apôtres, un Seigneur, une foi, un baptême. Et que cela soit encore dit ici, au ciel, il n'y aura pas de désordre là-bas. Au ciel, il y aura l'harmonie divine et il y aura l'ordre. Nous serons avec Abraham, Isaac et Jacob, avec tous les perfectionnés, les achevés. Et nous prendrons part au repas avec notre Seigneur et Rédempteur. Nous fêterons. C'est peut-être raison que nous devons dire à tous ceux qui sont là nouvellement et qui veulent se laisser baptiser, s'il vous plaît, mettez votre vie en ordre devant Dieu. Apportez au Seigneur tout et dites-lui tout ce qui vous touche et vous fatigue et demandez-lui de vous pardonner. Et il est fidèle et juste, comme déjà dans le psaume 103, il est écrit, celui qui te pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies et qui couronne et qui sauve ta vie de la fosse et qui te couronne de grâce et de miséricorde. Psaume 103. Cela va ensemble. Qui te pardonne toutes tes fautes, qui te guérit toutes tes maladies et qui sauve ta vie de la force et qui te couronne de grâce et de miséricorde. Tout cela, c'est un paquet. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur, de ce que aussi en ces choses, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble que nous pouvons prendre. Et dans Exode 12, le Seigneur a dit, quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Le sang de l'agneau de Dieu
a été versé, a coulé. Et Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Acceptez le pardon. Acceptez la réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu, liés avec Dieu, en paix avec Dieu. Ensuite, vient le Saint-Esprit sur vous, aussi longtemps que nous avons accepté la parole de la vérité. Mais d'abord, il faut que la vie de Dieu en nous soit produite, créée par la parole qui est la semence, et ensuite par l'Esprit qui vient sur nous pour créer la vie de Dieu en nous par la parole que nous avons reçue. Il y a encore beaucoup de versets que nous pourrons lire. Bien-aimés frères et sœurs, cette sainte parole de Dieu précieuse est notre lumière sur notre sentier, est une lumière sur notre chemin, n'est pas une lettre morte, mais une parole vivante qui, par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, nous a été révélée. Résumons de quoi il s'agit maintenant. Il ne s'agit pas de l'union sous Rome, mais de l'union sous Christ, Jésus, comme chef de l'Église. Lui, le premier-né entre plusieurs frères. Psaume 22, il est écrit: je ferai connaître ton nom à mes frères et révélerai ton nom à mes frères. Notre Seigneur et Rédempteur est venu à nous. La parole est devenue chair et a habité parmi nous. Et dans son corps de chair, il a payé le prix. Il a versé son sang en qui la vie de Dieu était. Et nous avons été rachetés. Nous ne lui appartenons plus, mais nous lui appartenons. Lui qui a payé le prix pour nous et qui nous a rachetés. Nous lui appartenons désormais. Et c'est ainsi que, comme l'avons chanté dans le deuxième cantique, le Seigneur marche avec nous. Alors que le cantique a été chanté, je devais penser à Isaïe 43. Même si tu passes par l'eau, par le feu, je serai avec toi. Et ensuite, c'est trois hommes dans le feu ardent, dans le four du temps de Daniel. Qu'est-ce que c'était? Subitement, ils n'étaient plus trois, ils étaient quatre. Ils étaient quatre, pas trois, quatre. L'ange de l'Éternel était avec eux. Et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu était présent et a accompagné les siens. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Nous passons tous par des épreuves, mais nous faisons confiance au Seigneur et nous savons que ce n'est pas seulement la vie terrestre, mais nous avons aussi reçu la vie de Dieu dans notre âme, dans notre cœur. Et seulement celui qui a reçu ainsi, vraiment par la foi en Jésus-Christ, la vie éternelle, vivra éternellement, pourra vivre éternellement. Et c'est peut-être raison que c'est important d'insister sur le plein évangile de Jésus-Christ qui doit être prêché, avec le seul but, c'est que tous ceux qui maintenant écoute la parole de Dieu révélée et croit les promesses qu'il nous a données dans ce temps. Ceux qui écoutent son appel, comme cela a été donné à savoir autrefois, que tous ceux qui appartiennent à son peuple reviennent à Jérusalem. Ça, c'est Esdras chapitre 1. Vous pouvez le lire après 2 Chroniques, le premier chapitre. Après 2 Chroniques, vous pouvez le lire dans le prochain livre. Au premier chapitre, il est écrit tout de suite: tous ceux qui appartiennent à son peuple, qu'ils reviennent à Jérusalem. Peut-être que je devrais vous le lire pour que vous puissiez tous savoir que c'est vraiment écrit comme ça dans la Bible, qu'ils doivent revenir, qu'ils vont revenir pour, et qu'ils sont aussi revenus ici dans
2 Chroniques 36. Hier steht geschrieben, ja, sollen wir von Vers 22. À partir du verset 22, 2 Chroniques 36, von Vers 22. 36, 22. Im ersten Jahr der Regierung. La première année de Cyrus, donc 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22. Roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Pour que la parole que Dieu a prononcée par Jérémie s'accomplisse. Au verset 22, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Verset 23, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. En Juda, qui d'entre vous est de son peuple. Il m'a commandé de lui, bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui alors d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Et directement dans Esdra, au premier chapitre, au verset 3, il est écrit, qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Le Dieu qui habite à Jérusalem en allemand, qui habite. Donc, c'est l'accomplissement des Écritures. Et nous vivons aussi dans le temps où les Écritures s'accomplissent, mes frères et sœurs. Mais l'insistance est mise ici. Celui qui est de son peuple, qui ne retourne plus à Damas, ou bien à Rome, qui retourne à Jérusalem. Car le temple doit être construit. Car c'est là que Dieu habite et que Dieu s'est déterminé cet endroit pour habiter. Qu'est-ce que nous devons encore dire là-dessus? Bien-aimés frères et sœurs, dans toute la simplicité, nous écoutons les paroles du Seigneur. Celui qui appartient à son peuple, tous les fils et les filles de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu, qui ont trouvé grâce devant Dieu, qui se sont repentis, on doit à cela vraiment aller dans la première prédication le jour de la Pentecôte et lire pour que tous ceux qui s'ajoutent nouvellement puissent aussi entendre cela. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, encore est valable ce qui est écrit ici. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Nous avons ici le modèle biblique. Et je le répète encore une fois, tous ceux qui s'ajoutent nouvellement. Devant Dieu, il n'y a qu'un seul baptême qui est valable. Et ça, c'est le baptême par immersion, par une seule immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout le reste, en Afrique du Sud, il y a même une division dans l'église pentecôtiste. Ils baptisent trois fois. Ils disent, je te baptise au nom du Père. On immerge la personne. On le refait, on fait ressortir. Au nom du Fils, on le bat, on le fait rentrer, on le ressort. Au nom de cette personne, on immerge, on le ressort trois fois. Ensuite, ils parlent en langue sans révélation, sans avoir de révélation. Ils parlent, ils prêchent, ils baptisent. En méprisant Dieu, car il est écrit dans la Bible, un seul baptême, une seule foi, une seule église du Dieu vivant ici sur cette terre. Et toute l'église du Dieu vivant est elle-même le pilier de la vérité. Le pilier, l'appui, la vérité. Laissons lire. Lisons cela pour que les derniers puissent savoir que l'Église du Dieu vivant n'est pas une religion. L'Église n'est pas une religion. L'Église du Dieu vivant n'est pas une dénomination, une religion fondée par celui-ci, bien celui-là. Mais l'Église, elle est fondée et bâtie par Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle revient à Christ. Un Seigneur, un baptême, une foi. Dans 1 Timothée, chapitre 3, il dit Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, ici, il est écrit au verset 19, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, il veut dire Timothée, mais il cherche dans Thessaloniciens, une foi, un baptême, c'est dites-moi où est-ce que c'est écrit. Dans 1 Thessaloniciens, c'est Timothée, pardon, Timothée. Oui, c'est Timothée, 1 Timothée. 1 Timothée 3. Ici, il est écrit. Ça peut être seulement là où c'est écrit, on ne peut pas le trouver autrement. 1 Timothée 3. Verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu. Pas un seul mensonge a de la place dans l'Église du Dieu vivant. Pas un seul mensonge. Dieu est véritable. Sa parole est véritable. Et selon 1 Jean 5, nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Et celui-ci est le véritable Dieu et la vie éternelle. Vous connaissez tous cette écriture de 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, il a ouvert déjà, il lit 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Dieu est véritable. Sa parole est véritable. Et sa parole, nous pouvons la recevoir. Ainsi, nous recevons la véracité de Dieu par la parole dans notre cœur et l'Esprit de Dieu.
Et nous croyons comme l'Écriture le dit. Encore une fois, je le dis pour finir. Pas de tromperie, pas de distraction avec un enseignement ou bien un autre, mais de revenir à Dieu, de revenir à sa parole, revenir au commandement, revenir à l'enseignement des apôtres. Que Dieu Seigneur nous bénisse tous et soit avec nous tous. Alléluia. Amen. Amen. Lève-nous pour ensemble chanter tel que je suis, sans rien de moi. Et ensuite, nos sœurs pourront encore chanter. To